Salut tout le monde, c'est PlaySilver, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 20e épisode de notre Let's Play sur Donkey Kong Country Tropical Freeze, et je vous l'avais promis, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis en bonne compagnie, je suis avec Get. Salut. Et salut, et bah merci de m'avoir invité, je suis très heureux de participer à un épisode de Donkey Kong. L'avant-dernier épisode en plus. Alors, j'ai choisi de t'inviter, donc je suis désolé, mais c'est pour que tu m'accompagnes dans l'enfer des sommets sacrés. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Higet, il avait fait un let's play sur Donkey Kong Country Returns 3D. C'était assez galère. Et du coup, je pense qu'on va bien se marrer. Parce que si ce sont des niveaux cachés, je pense que c'est tout simplement parce que ce sont les niveaux de la difficulté extrême de l'infini. Donc, on n'a pas le choix. On va commencer par le set 1, pavé pernicieux. J'ai bien l'intention de vous faire les 3 niveaux dans cet épisode. Donc, si vraiment c'est trop dur, bien il y aura des ellipses. Et si vraiment c'est encore plus dur, il y aura des accélérés et Higet chantera. Ok. Voilà, il a dit ok. Ok. Allez, on est parti pour les pavés pernicieux. Alors, au niveau de l'inventaire, déjà, j'ai rien de nouveau à vous montrer en ce qui concerne les figurines, parce qu'encore une fois, je me suis concentré sur les tonneaux. On va prendre une Dixie dans le doute. J'ai racheté quelques tonneaux. Et donc, pour ceux qui arriveraient sur cet épisode, déjà, c'est un petit peu dommage, faudrait regarder les précédents. Mais bon, si je fais ces niveaux-là avant le boss final, c'est tout simplement qu'en fait, j'ai fait le boss final de mon côté pour pouvoir... Oh, c'est très joli, le fond est très joli, pour pouvoir vous quitter ce let's play sur un générique de fin, parce que j'aime beaucoup faire ça, j'avais fait ça sur Mario Galaxy, ce qui fait que je connais le boss final, mais que finalement, en fait, ça change pas grand-chose, quoi, si ce n'est que je fais pas vraiment les îles dans l'ordre, et d'ailleurs, au passage, c'est très, très waouh. Ah, c'est beau. J'avoue que l'arrière là, c'est sur les arrière-plans, ils ont vraiment fait des efforts, hein, franchement. Ah oui. Surtout que moi, ça m'arrange beaucoup parce que généralement, alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour les miniatures des épisodes, en fait, c'est un début de niveau que je sélectionne à chaque fois parce que y a rien, sur l'écran si ce n'est le décor. Il y avait une pièce de puzzle en dessous, quoi. Ouais. Et il y a des pics, je sais pas si t'as vu, mais il y a des pics en plus en dessous. Ah ouais, non, ah, d'accord. C'est genre faire une roulade dans le vide pour la récupérer. Oh. Bon, ça a à peine commencé, on est déjà mort. Je sens qu'on va se marrer. Alors là, je pense que ça va être les niveaux de l'infini où on n'a pas le droit de s'arrêter en fait. Ok, les pièces de puzzle, hein, vous savez ce que j'en pense. Ouais, je suis. Et genre, les plateformes apparaissent au fur et à mesure quoi. Bon, elles ont pas l'air de disparaître donc. Ok, j'ai rien dit, elles disparaissent. Peut-être que c'est par l'avancée aussi. J'ai eu une pièce de puzzle. Qu'est-ce que... Faut que t'avances, non? Ah non. Si. Ok, non, c'est bon, fallait juste attendre, je crois. Alors, je pense que j'ai une pièce de puzzle si je récupère tout. J'ai peur, s'il vous plaît. Ok, merci. Non, mais ça va pas. Ils sont malades. Mais ils vont pas bien. T'es pas mort? Si, je suis mort. Oh non, oh la vache, quoi. Ça va être horrible. Alors là, ça va être horrible. Limite, j'aurais dû acheter des ballons verts si j'avais su, quoi. J'ai hésité à me spoil un petit peu pour voir à quoi je devais me frotter. J'aurais peut-être dû parce que j'ai pas de ballon vert. J'ai utilisé les derniers, dans les derniers niveaux. Ça va être dur. En fait, je pense que ça va être du try and die et qu'il s'en suivra du die and retry. Hop. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que là, j'apprends à connaître le niveau. Et que après, lorsque je connaîtrai un petit peu le mouvement des plateformes, ça devrait aller. Parce que là, je m'attendais pas du tout à ce que les plateformes refassent le même coup qu'avant, quoi. Je m'attendais à ce que ça évolue au fur et à mesure. Hop. C'est une espèce d'ultime niveau K, c'est pareil, hein, niveau K. Oh oui, bah oui. Hop, là, c'est pas... Ah, c'est chiant, ça. Je dois m'accrocher au truc. Mais j'avais pas vu, parce que moi, au début, je voulais sauter dessus la première fois, et puis là, j'y ai pas pensé. Bon... En fait, finalement, j'ai racheté des tonneaux, mais ça me sera pas très utile. De toute façon, là, je récupère quelques... Oula, que j'aille pas trop vite non plus. Je récupère quelques pièces bananes. Ce qui fait que si jamais c'est vraiment trop dur, on quittera le niveau. Et puis, j'irai m'acheter éventuellement quelques ballons verts. Après, si ça se trouve, les deux autres niveaux seront encore pires. Enfin, je suis pas du tout en mesure de savoir comment ça va fonctionner, en fait. Donc là, c'est complètement horrible. Oui, tellement. Là. Alors, ça te rappelle de bons souvenirs? Ah bah oui. Espèce de niveau K où j'ai je suis mort je crois une 70 fois, un truc comme ça. Oui. Heureusement que j'avais coupé la vidéo. Hop. Non, DK, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi? Non, mais pourquoi en faire damnation? Mais les accroches là, je les trouve lentes quand même faire un temps fou quoi. Le souci là c'est que si tu veux, j'ai
comment dire, j'ai directement avancé, j'ai incliné le stick vers la droite. La droite, au lieu de descendre. C'est que, vu que j'étais à la verticale, oui, voilà, c'est ça, descendre, et c'est dommage. Je meurs sur des trucs bêtes comme ça. Hein. Après, je critique le jeu, mais je sais bien que les trois quarts du temps, c'est de ma faute. Lorsque je critique le jeu, c'est que je critique surtout le fait que je ne savais pas, enfin, on me prévient pas, quoi, on me dit pas, faut que t'avances. Moi, ouais, j'aime bien être assisté. Hop là. Bah, c'est toujours plus plaisant, hein, surtout en commenter. Ah bah oui, surtout en commenter. Parce que autant en off, je peux mourir autant de fois que je veux, je m'en fiche un petit peu, mais pour vous, bon voilà quoi. Oui. Soit on avance pas, soit je dois faire plein d'ellipses, c'est un petit peu la galère. C'est pour ça, pour cet épisode, je pense qu'il y en aura. il m'a refait le coup. Là, je pourrais peut-être. Ouais. Même avec. En fait, je suis en train de réfléchir, avec des ballons verts, ça passerait pas. Les plateformes tombent beaucoup trop vite pour pouvoir remonter dessus. Hop là. Je garde Dixie parce que je pense que ça va être quand même le meilleur personnage. Moi, je pense. Alors là, le truc, c'est qu'en fait, avec le saut de Dixie, je me suis fait avoir parce que. Il était trop lent, elle était trop lente à. Bah, en fait, non, c'est que justement, j'ai sauté trop haut, ce qui fait que pour un peu, en fait, je serais passé justement par-dessus la plateforme, alors qu'il faut pas. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu en tout cas. Ouais, j'ai pas l'impression. Alors, eh oui, donc encore une fois, bon, c'est pas une surprise, hein, vous le voyez à l'écran, mais Iguette ne joue pas. Voilà. Si, je suis les bananes qui tournent là, tu vois. Remarque, tu sais qu'on aurait pu être en coop, parce que ce qui est bien avec la coop dans ce jeu, c'est que soit tu contrôles ton personnage, soit tu viens sur le dos de DK, donc bon. On peut le faire, je le savais. Par contre, si les autres plateformes voulaient bien apparaître, ça m'arrangerait. Hein. Il y a un tonneau, je veux au moins arriver dans la gueule de ce serpent. Oh la vache, quoi. Ah, c'était pas mal quand même là pour le coup, mais du coup j'allais trop vite. Oui. Moi les timings, c'est du grand n'importe quoi, soit je vais trop vite, soit je vais trop lentement. Bon, c'est pareil. Hein. Hop là. Parce que après, ce qui est bien avec Dixie, c'est que si on va trop vite, son saut peut nous permettre de ralentir et de revenir en arrière. C'est pour ça que je fais que de dire que Didi est inutile dans ce jeu, et je suis vraiment désolé pour les fans de Didi, hein, mais voilà, je sais pas. C'est vrai que. Je vais pas m'handicaper avec lui. Bah, il a eu son heure de gloire avec Returns. Enfin, oui, bah, c'est clair que dans Returns, on l'utilise, quoi, mais là, il y a Dixie. Bon. Oui. Hop là. Limite Cranky, c'est pareil, quoi. Trop vieux pour faire son. Eh bien, figure-toi que pour le boss final, je trouve que Cranky est le meilleur personnage. D'accord. Pour le boss final du jeu, comme quoi. Hop, allez. Alors là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je sais pas si les dents jaunes. Ouais, si, c'est forcément un obstacle. Quoique, j'ai l'impression qu'elles sont en arrière-plan. Bah ouais, j'ai la même impression, mais je pense pas. Bon. En fait, elles reviennent en avant. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Du coup, là, ça donne quoi? Pourquoi j'ai peur là? Qu'est-ce que. Oui, bonjour. Ça va pas, mais vous êtes malade? Oh la vache. Hop là. Bon, en fait, avec Dixie, limite, cette phase, ça passe. J'ai juste un peu peur, quoi. Oh, putain. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive bientôt à la fin. Hop. Oh, en fait, ça va. Les sauts avec Dixie, c'est cool. Ce genre de niveau, je sais pas s'il y a des checkpoints, en fait. Hop. Je pense pas. Oula. Bonjour. Oh la vache. J'ai super peur, là. Ok. J'aime pas ces sauts. Ok. Et eh ben, figure-toi que moi non plus. C'est trop... Ok. Limite, je préfère ce genre de saut là sur les ennemis parce que. Ouais. J'ai plus Dixie! Pardon. Ah, non, j'ai perdu un peu. Elle est pas censée! Ok. Non! Oh putain. Oh non, c'est pas vrai. Ah, j'avoue que. Je pense qu'on va bientôt se faire une ellipse. Et s'il faut, hein, attention, mais s'il faut, je n'arriverai peut-être pas à les faire ces niveaux. Hein. Faut que je passe au-dessus. Ah, carrément. Du coup, maintenant que t'as pris l'habitude de passer au-dessus. Oui, c'est clair. Non, mais des fois, je sais pas. Je suis ailleurs. Et du coup, je vais à deux à l'heure. Je sens tout mal. Enfin, voilà. Bah, t'es où? Je sais pas. Je suis dans le vide. Voilà. Dans le nuage là-bas. Limite, là, si je meurs la prochaine fois, j'essaye d'obtenir la pièce de puzzle et je me suicide après. Vu qu'elle sera quand même comptabilisée si j'arrive à terminer le niveau. Oui. Autant faire ça. C'est cool. Oui. Bah ça facilite un petit peu le jeu parce que je crois que dans Return c'était pas comptabilisé. Là il y en a forcément une. C'était comptabilisé aussi. En fait je crois que là il y en a une mais faut faire les deux anneaux en fait. Je pense. C'est chaud hein. C'est très chaud oui. Non mais genre j'y arrive plus quoi. Oh bah ok vas-y. Mais si. J'ai réussi à passer, y a pas de soucis. Non mais c'est bon j'arrive plus à passer. Après, c'est ce que je dis d'ailleurs souvent, je fais toujours la même chose et puis au bout d'un moment ça passe plus. Bah, c'est. Ouais. Je suis totalement d'accord sur les niveaux K, pareil.
Je fais tout le temps la même chose, mais des fois il se passe pas du tout la même chose. Mais... C'est ça. Attention. Oui, là faut pas que j'aille trop vite, faut pas que j'aille trop non plus. Parce qu'en fait je plane durant ces sauts alors que j'ai pas du tout besoin vu que je plane de base en fait. C'est l'air. Hop là, bien. Allez. Au moins là je suis pas vraiment mort parce que je fail dans mes sauts. Oui, j'ai fait un saut et alors. Hop. C'est vraiment parce que sur la fin il y a trop d'ennemis en fait. Enfin il y a pas trop d'ennemis, il y a trop de ces pics là, un petit peu ces pics de l'enfer infernal. Hop là, ça je maîtrise. Ok, y a pas de souci. Alors par contre ce qui me fait peur c'est que ça c'est typiquement le genre de niveau où tu te dis j'arrive à la fin et en fait c'est pas la fin. C'est possible. Ouais, j'ai peur. C'est ce que je me dis en fait à chaque fois que je surmonte un obstacle depuis tout à l'heure. Allez, c'est la fin. Oui. Jouissance. Et j'obtiens une vie, oh là là, quel idiot. Bien, allez. Ça va, ils sont pas trop loin. Le premier niveau est passé. On a 5. Il y a des pièces de puzzle aussi. On sait même pas où elles sont. En tout cas, l'arrière-plan, je le trouve très joli, vraiment, pour les temps de chargement. Mm-hmm. C'est dommage qu'il lag, mais l'arrière-plan est généralement très joli. En tout cas, ça me fait un niveau de terminé, le premier des trois. J'imagine que la difficulté est croissante, sinon c'est pas drôle. Et, oula, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, monsieur. Donc j'imagine que ça ouvre, ouais, c'est bien ça, ça ouvre les deux chemins. Ray, il va fermer le... C'est de circuit céleste. Ouais, et de l'autre côté, on a quoi ? Ça sent les nuages. C'est ça, et hélicoïde bizarre... De quoi ? Ça sent les nuages. Ça sent les nuages. Bon, écoute, on va les faire dans l'ordre. J'allais dire, en limite, je vais acheter des ballons verts. Ça sert à rien, en fait, enfin, je sais pas. On va tester. Bon, limite, je vais en acheter juste comme... Ouais, non, allez, on y va, on est des fous. Hop là. Même patte. Bon, je vais prendre un tonneau dans le doute, même si je pense que de toute façon je mourrai. Je mourrai si je perds un point de vie, de toute façon, le perso n'aura pas le temps de venir. J'annonce. Allez, on est parti. Ça, c'est le genre de niveau où tu stresses en permanence. Si vous voulez, je tremble. Hein. Je tremble. C'est pour ça qu'il m'arrive de bafouiller, en fait. C'est presque si je tremble moi aussi, en fait. Alors, ça, en fait. Oh, non mais on est en communion, c'est cool. Alors ça par contre c'est le départ d'un niveau K, je trouve ça un peu moche. C'est dommage parce que précédemment c'était super beau, là c'est moche. Avec un peu de chance ce sera plus simple. Ça m'a l'air plus simple là pour le début. Ok. Non mais j'ai vu la pièce de puzzle, je me suis dit allez quand même. On l'a vu. J'ai l'impression que c'est plus simple, je sais pas pour toi. Ouais ça... Toi hein. Allez. Ça va. Bah tant que ça se casse pas, alors par contre ça ce genre de tonneau j'aime pas. Ah. Ok, j'ai déjà perdu un point de vie. Ok. C'est presque plus simple. Je suis mort. Je suis mort. Ah, en tout cas c'est super joli. Ouais. J'ai trouvé ça super joli. Ça c'est l'excuse. C'est... Alors d'ailleurs c'est je sais bon, pas si t'as vu, mais on me propose pas de perso cette fois-ci par contre. Bah ouais parce que de toute façon dans le wagonnet, ça sert à rien quoi. J'aurais peut-être pas dû... Ok, j'ai eu de la chance. Ok, ça sert à rien, mais pour le début. Oui. Bon, après le début, ça va, c'est pas excessivement difficile non plus. Hop. Ah, j'aime bien les wagonnets, c'est l'idée, mais qu'est-ce que des fois c'est chaud. En fait, ou sauter dessus. Bah, je voulais sauter dessus. Non, mais en fait, faut que je m'abaisse, mais j'avais complètement oublié qu'on pouvait faire ça. C'est vrai que mine de rien, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de niveau comme ça. Oui. Et j'imagine que. C'est une fusée. Voilà, non mais c'est ça. Oh, ça porte très mal son nom, mais ça pourrait. C'est ça. Les pires les fusées. Au revoir. Je perds non, le contrôle, je suis désolé. Je veux pas. Non mais je perds le contrôle parce que là, en fait, si vous voulez, il y aura pas de checkpoint, hein, faut pas rêver. Non. Hop là. Et c'est là qu'on voit quand même qu'on est chez Nintendo, je veux dire, c'est un petit peu la même chose dans Mario 3D World, on a eu le même truc. Quoi ? Oh ben non. S'il vous plaît. C'est pour ça que formule. Dixie, pour le début, elle est sympa. J'avoue. J'aurais peut-être la prendre, d'ailleurs. Si je remeurs une ou deux fois, là, sur le début, je retournerai sûrement la prendre. Oh ben... Bon, je vais la prendre. Je vais la prendre. C'est plus sécurisant. Ouais. Limite, là, je vais me permettre... Ouais, Je vais pas en prendre deux non plus. Parce que j'aimerais beaucoup réussir à vous finir ces trois niveaux, hein. J'aimerais beaucoup.
J'ai réussi à finir le niveau final de 3D World, donc ce serait dommage. J'aime pas abandonner, quoi. J'aime pas abandonner, et encore une fois, en off, c'est beaucoup plus simple. En off, c'est beaucoup plus simple, ouais, je peux faire des pauses, parce qu'en vidéo, c'est un petit peu plus difficile. T'es que dans un canon, t'arrives, tu fais hop. Allez, pause. Ouais, je reviens dans une heure, hein. Et le pire, c'est que c'est ça, là, pour la vidéo, je vous fais les trois d'affilée, mais généralement, lorsqu'on galère énormément sur un niveau, on laisse de côté, le lendemain, on revient, premier essai, on réussit. C'est... oui. Figurez-vous que pour 3D World, je crois que je l'avais dit. Je l'avais dit, il me semble, mais 3D World a été tourné en 2 jours, le dernier épisode. Oui, toi c'est normal. Mais le dernier épisode a été tourné en 2 jours, parce que en fait, je n'arrivais pas à le terminer. À terminer le dernier niveau. Du coup, je m'étais dit, eh ben tant pis, on va terminer le let's play sur un échec. Oui, pourquoi pas. Mais ça me convenait pas, en fait. Non, mais c'est pas possible. Ça me convenait pas de terminer le let's play sur un échec. Du coup, le lendemain, j'ai relancé la capture, j'ai relancé l'audio. Et j'ai fait le niveau, et en 2-3 coups, c'est passé. Avec beaucoup de chance, hein, parce que c'est vrai qu'encore une fois, ça me gênait. Ah d'accord, en plus la plateforme, ok, elle se barre, bien. J'avais pas vu. Bah moi non plus, vu que je suis pas souvent passé dessus. Ah non, mais mourir là, quoi, en plus ça représente 0% du niveau, j'en suis sûr. C'est ça que tu dis, oh putain, j'arrive même pas là alors qu'il reste... C'est ça. Hop là, et vu qu'il n'y a pas de checkpoint, c'est horrible. Ouais. Qu'est-ce que ça passe. Parfois je fais des trucs de fou aussi. Hop, allez, cette fois-ci on ne meurt pas, faut que je m'abaisse. Hop. Voilà, bien. Oula, saute pas trop loin, s'il te plaît. Bah ouais, mais comment je fais, là? Ah oui, il faut que je saute sur les deux. Ouais. Ou même tu t'abaisses en saut... Ouais, non, maintenant tu vas toucher l'autre, après. Alors, d'ailleurs, tu n'as pas fait la remarque, et moi non plus, mais ce sont des poissons qui volent. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah, c'est céleste, hein. Normal, hein. Oui, remarque, au Japon, les poissons volent peut-être. Après... Ok. D'accord. Pas les Alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est quitter le niveau et aller tester l'autre, comme ça on aura une idée toute faite. C'est ça. Hop. Ou alors ça fait encore plus peur. Voilà. Bah surtout si c'est espèce de truc bizarre là. Je déteste ça, parce que je sais pas si c'est plus compliqué que le wagonnet, mais c'est galère à contrôler, quoi. C'est vrai. Ouais, et j'imagine que le niveau sera long. Hop là. On nous le vend comme un niveau court, mais il sera long. J'ai reperdu un écouteur. Hop, allez, pose canon. Hop, voilà. On est reparti. Allez. Limite, cette pièce de puzzle serait facile à obtenir, mais bon. Maintenant que je suis parti, voilà. Ok, c'est comme ça qu'on passe. Bon, maintenant on est... Oh non, c'est cruel. Oh, c'est cruel. Je suis obligé de lui rebondir dessus. Ouais. Bon. Faire un tout petit saut. Non, faut que je saute plus tôt, quoi. Je pense. Oui, aussi. Bon, après, ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas de nouvelles mécaniques. Hein. Le fait de devoir sauter en avance, on l'a déjà eu pour certaines pièces de puzzle, par exemple. Ouais. Le fait de devoir rebondir sur les ennemis aussi. Donc ça va, c'est pas si cruel que ça. Ce qui est cruel, c'est qu'il n'y a pas de checkpoint. Ça, c'est clair. Bon, ce serait... Après, ça... Trop facile. Ce serait trop facile, c'est ça. Au niveau K, il n'y a pas de checkpoint, on aura des checkpoints ici. Oui. Hop. Le niveau K de l'île bonus, t'imagines? Non, non, j'imagine pas. Ok, j'ai réussi. Allez, on s'abaisse. Quoi? Ah non, mais c'est pas vrai, là. Là, pour imaginer à quelle distance il faut sauter un peu plus tôt... Alors, après, pour ceux qui se poseraient la question, c'est vrai que c'est assez difficile. Bah tiens, d'ailleurs, on peut en parler. Toi, en termes de jeu 2D chez Nintendo, Pokémon ne compte pas. Hein. Je parle, comment dire, avec des déplacements en 2D, comme Donkey Kong et Mario Bros. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Entre quoi? Entre bah je sais pas, par exemple Donkey Kong, Kirby, Mario, c'est les jeux de plateforme en 2D, quoi. Je dirais que pour le challenge, j'aime beaucoup, enfin c'est difficile, je ne sais pas si j'en ai un préféré, mais pour le challenge, j'aime beaucoup Donkey Kong, parce que c'est clair que voilà, quoi, si t'en veux, t'en as, hein. Ça. Mais après, pour la diversité, hein, j'ai peut-être des niveaux, même si c'est un peu faux. Je sais pas, Mario c'est sympathique aussi. Ouais. Oui. Ouais. C'est autre chose. Hein. Bah, je dirais que pour le solo, je préfère quand même DK. Pour la coop, Mario, ouais. C'est fun. Pour le solo, je dirais quand même DK parce que bon. Ouais, c'est... En termes de contrôle, ça reste, je trouve, plus sympa que Mario quand même. Après, en 3D, par contre, les Mario 3D sont bien meilleurs que les quelques Donkey Kong qu'il y a eu en 2D. Alors là, en fait, ce qui est bien, c'est que. Comment dire? Si je touche un obstacle, je ne tombe pas.
Je prends un coup, certes, mais je ne tombe pas dans le vide. J'atteindrai ma cible. Ça, c'est bon à savoir. Hop là. Bon, de toute façon, voilà. Maintenant, ici. Maintenant que j'ai plus que 2 points de vie, hop là, au lieu de 4. Ouais. J'en ai déjà perdu un. Après, faut monter, hein. Ouais. Ouais, merci. J'ai quitté l'écran. C'était sûr. J'ai quitté l'écran. Oh non. Hop là. Là, c'est ici. Oh purée, comment je fais là, chaud, quoi. Après, encore une fois. Hop là, je trouve pas que ce soit plus compliqué. Attention. Oh là. Ok, 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 c'est bon. J'ai peur. Suivons les bananes, suivons les bananes, suivons les bananes. Allez, allez, on y est, on y est. Oh, c'est la fin. Vous me charriez là. Vous me charriez. C'est moi où la plateforme elle tombe au fur et à mesure. Non, elle fait des choses cheloues là. Quoi, au revoir le poisson. Qu'est-ce ah que... oui. Attends, est-ce qu'elle tombe vraiment? Ah non. J'ai pas l'impression. Je fais des choses cheloues. Oh, les fameux dirigeables. Bah, cette phase-là, limite, j'ai envie de me dire, avec Dixie, ça a l'air d'aller en fait. Hein. Ouais, j'avoue que. Ouais. S'accrocher, non? Oui, 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 oui. C'était ça. Poisson. On le voit, le tonneau, on le voit. Il est pas très loin. Dites-moi, il arrive à la fin. Toujours pas. Et là, comment je fais si j'ai pas... Alors ça, les roulades. Ouais. Comment tu veux faire un saut? Place, attention. Oula, j'avais pas vu la plateforme au début. Elle est très discrète, hein. Je sais pas si toi, tu l'avais vue. Non. Du tout. Et oh oui, oh, ça c'est bon, plaisir. C'est bon. Allez, 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 allez. Des pièces venant. Oh, ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Bon. Deuxième niveau terminé. Vraiment, je sais pas du tout si moi de mon côté je retournerai les faire en off. Enfin, j'y retournerai peut-être. Pour les pièces. Bah, justement, c'est ce que je me dis. Je sais pas. Enfin, maintenant que je les connais, en fait, ça sera beaucoup plus simple. Par contre, heureusement que je suis pas mort juste devant la fin parce que je l'ai pas vu la plateforme vraiment. Si j'avais pas pu planer, ça l'aurait pas fait. Parce que je l'ai vraiment vu au dernier moment, quoi. Bon, on a terminé le circuit céleste. Moi, je vous propose qu'on aille faire des achats. Voilà, petite pause. Allez, shopping. Instant shopping. Allez, cette fois-ci, on va aller ici. Comme ça, je vais vous montrer pourquoi je dis que c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas avoir de raccourci. Parce que là, en fait, il faut passer dans tous les canons. Et c'est très très long, surtout sur cette île. Hop là, les écouteurs qui se défilent. Alors, vous devez vous dire, pourquoi là, je vous parle d'écouteurs, alors que d'habitude, je vous dis que je joue sans casque. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il faut bien que j'entende Tiget. Voilà. Je peux dire quelque chose et il monte pas. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça fait que ce serait complètement incohérent dans la vidéo. Oui, des choses complètement différentes. Alors, bon, on a de quoi en prendre deux. Bah, on va en prendre deux, écoute. Donc là, je reste persuadé que c'est ce qu'il y a de mieux, un Dixie. De toute façon, c'est le personnage OP. Bah, en speedrun, je me dis que Didi serait peut-être plus intéressant parce que Dixie ralentit. Dixie ralentit son saut. Après, je sais pas. Tu peux planer, du coup, tu peux esquiver limite 3-4 plateformes, c'est vrai que. Ouais, c'est. Après, avec Dixie, ce que tu peux faire, c'est que tu peux atteindre des plateformes qui sont peut-être trop hautes de base. Donc. Oui. Ah, en speedrun, ça doit être compliqué à bien gérer parce que. Bah, ce serait pas cranky, du moins, je pense pas, à part peut-être pour quelques niveaux. Enfin... Ouais. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va d'abord terminer ce niveau. 7-3 hélicoïde bizarroïde. Tape ton nom de niveau. On va d'abord jouer sans utiliser de tonneau. Voilà. Déjà, on a déjà dit que si. Alors, par contre, je comprends pas l'arrière-plan du niveau. Oh, c'est. Oh. C'est machine. C'est. Ouais, mais au niveau des couleurs, ça rend très bien, justement, je trouve. Oui, oui. Au niveau des couleurs, c'est. C'est un hélico qui s'est scratché. Oui, c'est ça. Oh là là. Alors attends. Ah, c'est moi ou elle. Bon, au revoir. Bon, au revoir, plateforme. Alors attends. Non, mais dans ce jeu, on peut faire repop les plateformes. Ouais, heureusement, parce que franchement. Oui, parce que. Voilà quoi. Du coup, ça va être le genre de niveau que j'aime pas. Vous savez, le genre de niveau où on peut pas patienter. Parce qu'autant dans celui d'avant, on pouvait, à part deux phases. Mais bon, deux phases sur quatre, ça passe quoi. C'est la première. Ah, nouvel élément de gameplay, tiens. Moi qui disais qu'on trouvait des trucs connus. Tu restes, hein, tu me fais pas le coup. Oh, ok, tu me fais le coup. Ah, d'accord. Ok. Mais ça va pas. Oh la vache. Qu'est-ce que. Ok, là j'ai beaucoup de chance. Hein. Hop là.
pour le moment ça va. Ça, ce genre de plateforme, ça reste. Hein. Vous êtes. Ouais. Vous êtes. Non. Tu restes là. Gentil, gentil. On est amis. J'aime bien le fond, les îles. J'adore ce décor du fond. Ah ouais, c'est très très joli, hein, clairement. Bon, vous savez quoi, hein, la pièce de puzzle, voilà quoi. Hop. C'est moi où le niveau est pas dur. Enfin, je dis ça, je vais sûrement bientôt mourir, mais. J'imagine quand même qu'on avance pas mal. Enfin, on avance à un bon rythme, je trouve. Qu'est-ce que. Voilà, merci. Mais non. Oh non, non. Non, c'est pas vrai. Ah non, oh, bah, j'avoue que ça. Le petit trou juste bien placé là, genre. Tu vas tomber dedans. Le niveau m'a pas l'air trop compliqué, hein, vraiment. Ouais, par contre, une Dixie, voilà quoi. Il m'en faut une, il m'en faut une. Non, mais je sais pas, je crois que j'ai sauté trop en fait. Enfin, j'aurais peut-être dû prolonger la roulade. Parce qu'en fait, le truc, c'est que lorsqu'on a que Decay et qu'on fait une roulade, on peut poursuivre. Enfin, la roulade peut se terminer dans le vide et ça nous empêchera pas de prendre un appui dans le vide pour sauter. Le truc, c'est que si je suis avec Dixie, je peux complètement terminer, enfin poursuivre plutôt même la roulade dans le vide. Si je continue de spammer la touche, je ferai une roulade en tombant. Ce qui me permet d'aller toujours plus loin et c'est quand même pas mal. Hop là. Du coup, là. Oui, par contre, là, c'était plus bas, pour le coup, et pas plus haut. Mais ouais, le niveau, alors là, c'est limite un soulagement, parce que le niveau, j'ai trouvé... Alors, c'est un terme que j'emploie de plus en plus, mais reposant. Calme. Ah non, mais c'est ça, parce que combien de fois j'ai failli mourir, et au final, se rattraper est beaucoup plus simple dans ce niveau. Oui, c'est vrai. Hop là. Ah mince. Je crois que je couperai ce bruit au montage. Ouais, non, non, je vais les laisser. Je vais les laisser, ces bruits, ils sont drôles comme ça. Ce sera des bruits marquants. Oh non, j'ai perdu une Dixie très très bêtement, là, pour le coup. J'avais oublié, en fait, ce petit passage de plateforme. Le petit ça me rappelle un des niveaux de Rayman Origin, d'ailleurs. Un des derniers niveaux de Rayman Origin. Ah, c'est fort possible, tiens. Fort possible. Avec beaucoup de mécaniques comme ça. Tout à fait rail. Oui, oui, oui. Après, c'est beaucoup plus sombre dans Rayman Origins. Oui, c'est... D'ailleurs, je crois que c'est la nuit, sauf qu'il y a de l'orage aussi, il me semble. Il y a des scies aussi, je crois. Ouais. il y a un peu de tout. En termes de difficulté, je sais pas c'est quoi le plus dur, Rayman Origins ou ce Donkey Kong, ou même Return. Alors là, je sais pas. Bah, je dirais, en fait, je comparerais plutôt entre ce Donkey Kong et Rayman et pas Return, parce que... Il y a le gameplay Wiimote qui joue beaucoup, donc voilà quoi. Oui, pas sûr. Non, voilà. Ça, c'est pas un nouvel élément de gameplay, parce que le coup du « je dois pas sauter trop tôt », enfin, je dois pas utiliser le canon trop tôt, on l'a déjà eu. Hop là, tac. Mais tu vois, là, ce truc de plateforme, c'est pas non plus la mort, quoi. Non, faut juste bien regarder, quoi. Oui, et puis là, le fait que... Ah non, attends, j'allais dire... Ah non, le courant d'air disparaît quand même. J'allais dire, je peux patienter dans le courant d'air, mais non, il disparaît. Bon, après, je peux patienter sur la plateforme d'après, tu vas me dire. Oui. Et là, c'est cool, en fait, parce que ça s'appelle Helicoïde, je crois. Oui, Bizarroïde. Oui, d'ailleurs, pardonnez-moi la comparaison, mais pour ceux qui ne le savent pas, Helicoïde, c'est aussi un monstre dans Yu-Gi-Oh! Voilà. C'est une... Oui, c'est vrai. Hop. Une carte. Oui. Je me rappelle. C'est une carte dans Yu-Gi-Oh! Du coup, là. Voilà, on fait ça comme ça. C'est assez... Hop là, voilà. Et donc, petite pièce de puzzle. Ouais, j'imagine qu'il y en a une, mais bon, voilà. Voilà, hein. Un cœur. Mais c'est Noël. J'avoue. C'est Noël, là, parce que... Par contre, la petite plateforme avec des fusées, là, ça va être marrant. J'ai peur, non, mais j'ai peur. Alors, attendez, on replace les écouteurs. Et j'allais dire aussi une chose, là... Ah, j'allais dire une chose, j'ai oublié. Ah oui, le fait qu'on soit dans un niveau qui s'appelle Helicoïde, alors qu'on fait l'hélicoptère avec... enfin, avec la queue de cheval, le Dixie, hein. C'est comme ça qu'on se déplace. Ouf. Ça avait rien d'exceptionnel, en fait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Oui. Alors ce qui est bien par contre, c'est que si je rebondis sur l'ennemi, il considère pas que je rebondis sur la plateforme, donc elle reste. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Bien, ouais. Mais il y a des cœurs quoi. Oui, bah, comment tu peux te prendre ouais, sur les ennemis, ouais. Ouais, mais... Bah ouais, mais tout à l'heure, je veux dire, il y avait beaucoup plus d'ennemis que là quoi. Bah oui. C'est Noël. Oui, c'est ça. Là j'imagine qu'il y a une pièce, mais ah, bon, ouais, on s'en fout un peu. Oula. Ah, ça se complique. Est-ce que ce sont les marches de la gloire? Ah non. Hop. Hop, oula! Oh non, mais sérieusement quoi, comment je passe ça? Hop, voilà, petite pause. Alors je suis vraiment désolé si vous m'entendez spammer les touches, mais c'est très compliqué de. Ah non, mais ouais, de pas spammer là pour le coup. Hop. Ok. Sauf que je déteste.
Oula, bonjour. Ça j'aime moi. Quoi? Voilà, faut anticiper les... Vous jouriez-vous de moi? Ben non, mais même... Enfin, quoique si, là, ça illustre bien un truc que je critique depuis le début du jeu. Le fait que je sois stoppé lorsque je prends un coup. J'ai été stoppé, ah, oui. Ce qui fait que la plateforme est partie sans moi. Ce serait bien qu'elle t'attende... Ah, t'es où? Je m'avance peut-être, mais je dirais qu'on se rapproche de la dernière phase du niveau. Je pense. Ouais, hein. ouais, aussi, c'est ça. Il y a quoi, 4 phases, 4-5 phases maximum. À peu près ça. Oui. Et encore une fois, là, même si je meurs, hein, bien sûr, je persiste quand même à dire que ce niveau est beaucoup plus simple que les deux précédents. Mais peut-être que quand tu auras fini les 3 niveaux, ça va te débloquer un 4ème. Ah, c'est ça. Non, non. Je pense pas. C'est peut-être possible, hein. Je pense pas. Je me spoile pas trop sur les jeux que je ne connais pas lorsque je voulais faire un extrait. Ouais, je sais pas non plus. Hein. Je m'étais juste renseigné en fait sur comment débloquer ce niveau, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrêtait là. Hop. Alors, tac. Le nuage. Parce que c'était pour savoir en fait bah, comment je pourrais terminer le let's play. Est-ce que je fais les niveaux après, comme j'avais fait sur Mario 3D World? Hop là. Ou alors je l'ai fait avant pour pouvoir terminer sur un générique vu que j'aime bien ça. Mais vu que là j'ai su qu'il y avait que 3 niveaux supplémentaires, je me suis dit bon allez, ça tiendra pour un épisode. Autant terminer sur le boss final. Ouais. Hop. Alors. Tac. Bah c'est surtout qu'il y a le générique de fin et vu que je blablate beaucoup en fin de let's play, c'est mieux d'avoir un générique de fin. Ah oui c'est clair, hein, comme ça. En plus le générique de fin est cool, il y a une super. Oh non c'est pas vrai. Ah il y aura des cœurs. Oui c'est vrai. Mais des fois les génériques de fin sont tellement longs que c'est trop long pour blabla, donc tu fais bon. Oui, bah, c'est ça. Ok, bon. C'est ça. Alors là, par contre, faut pas que je me fasse avoir. Non, je me suis fait avoir. Il y a un cœur juste après et je me suis fait avoir juste avant. Ah, c'est dommage. Sérieusement. Ah, je peux peut-être réussir sans Dixie après. Hein. C'est possible. Oula. Ah, quoique, par contre, pour ces sauts-là. Quoi hey. C'est moi où j'ai limite fait un saut trop court en fait. Il y aura bientôt. Je vais pas assez loin là, je suis désolé. Je suis obligé d'avoir dit. C'est ça les sauts parfaits, en fait. Ah oui, bah oui. Moi je pense. C'est... Par contre, ça voilà. Fait que du coup là, je crois que je vais dépenser ma dernière Dixie. Non. C'est dépensé, c'est un objet. C'est... non, c'est ça. Depuis le début de l'SP, c'est Dixie, c'est mon objet. Ah bah je suis désolé, ah, c'est un là. Objet. Elle a qu'à pas se défiler lorsqu'elle perd des points de vie. Dixie, il revient tout le temps. Alors. Tac. Mais après, ouais, encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il soit si dur que ça. Bah, ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est très... Enfin, si dur que ça, je dirais... C'est millimétré, c'est tout. C'est pas... Oui, c'est ça. Enfin, je voulais plutôt dire, en fait, si long que ça, encore une fois. Ouais, puis même, c'est pas non plus très... C'est ici. Oh, ouh. J'ai cru que j'allais me prendre les bleus. Ouais, c'est sûr. Ouais, bon. Ça y est, j'arrive à esquiver le truc et je me prends le bleu. Alors là, on arrive bientôt du coup à la phase de l'enfer, la phase démoniaque plutôt, parce que ça m'a pas l'air si dur vraiment. Ah bon, bah d'accord. Oh, merci! Merci, dit. Quoi? 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 Il y en a une autre! Non, mais comment? Mais comment tu veux que je sache ça, moi? Oh, ouais, c'est ça. J'étais déjà super content d'avoir réussi à me rattraper. Ça, le coup de la roulade à la fin. Vous jouez de moi? Oh non! Oh, finalement, il est pas si simple que ça! Oh, c'est la fin! Je continue de dire qu'on se rapproche de la fin! De toute façon, on ne peut que se rapprocher! Oui, voilà! C'est vrai que moi dans Returns, souvent, je finissais à Game Over, puis hop, il me redonnait 4 ballons! Bah ouais, c'est ça, hein. C'est un gros souci de Returns! Hein. Ah, c'est il vrai. Est encore plus mal jaugé que ce jeu! Oui! Et pourtant, dans l'ensemble, je le trouve relativement bien jaugé quand même celui-ci! Et j'ai toute ma vie! Attends. Oui, on n'y est pas encore, certes. faut pas parler. Certes. Chut. Hop. 5 minutes de silence. Alors là, alors. C'est la phase on ne bouge pas. C'est la phase hyper simple en fait, on galère depuis. Mais qu'est-ce que tu. Mais non, mais pourquoi? Mais pourquoi tu me fais ça le jeu? Ah, j'avoue là! Mais t'as pas le droit! Droite gauche. Oh non, mais c'est pas vrai, là, c'est horrible, quoi. Ça y est, j'ai compris comment faire cette phase-là. Ce qui veut dire que la prochaine phase, ce sera pareil, j'aurai juste pas besoin de bouger. Faudra juste que je m'abaisse et que je me relève. Gugubou. Voilà. Gugubou. C'est tout ce qu'il faut retenir. Non!
Évidemment, évidemment, la seule fois où tu prends le... Bah, oui, en fait, j'aurais pas dû la prendre. Allez, on va y arriver avec DK, tu vas voir. C'est DK le héros de l'aventure, après tout, hein, c'est pas Dixie Kong. Hop, 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 alors... Easy. Mais carrément. Non, mais je fais exprès de mourir depuis tout à l'heure parce que je fais durer... Quoi? Attends, d'habitude j'y vais en planant, je saute pas trop haut, et puis là je saute trop haut. Il n'y a pas un cœur. Ah, j'aurais peut-être pu la prendre en fait. Quoique je pense pas. C'est chaud quand même, hein. Je sais pas si j'ai réussi à aller aussi loin avec seulement DK. Si, je crois que je suis mort par ici. Ouais, je vais mourir ici justement. Je crois que je suis... Ah, je sais plus. J'ai un écouteur qui se barre. J'ai un écouteur qui est barré. J'ai un écouteur. Allez, un écouteur en main. Rage kit de l'écouteur. Viens, là, on ne bouge pas. Ah, mais en fait... En bas. Quoi? C'est facile, en fait. Y'a pas besoin de Dixie, hein. Pour toute la première partie du niveau. Alors, je viens de découvrir une chose aussi, Get. Pourquoi je mourrais? Tu sais, au moment où je fais mon saut, sur le dernier saut de la plateforme, là, pour atteindre l'autre, c'est dirigé aussi. Ah, c'est dans l'élan. C'est ça. Ça va, on a tous les éléments clés pour réussir ce niveau. Attends, je voulais voir un truc. DK. Pourquoi il y a un DK de grisé? Ah oui, non, DK, c'est le contre-la-montre, d'accord. C'est vrai. Hop là. Il y a des lettres? Ouais, non, mais c'est... J'ai encore mes écouteurs. Ça va être l'épisode, je perds mes écouteurs, quoi. Rage kit des écouteurs. Vous voyez, c'est pas moi qui rage kit, c'est les écouteurs. Ça. Tant qu'il n'y a pas le rage kit du game capture et du micro, moi, ça me bat. C'est vrai que c'est toujours un petit stress, quand même, parce que t'es jamais à l'abri d'un petit souci technique. Et là, oui. Ça me ferait mal. J'imagine. Hop là. Bon, techniquement, je peux enregistrer sur un jour. J'ai un jour de capture. Ça devrait aller. Hop. Oui. Non, mais là... La vache. On touche le bout. Y'a pas de soucis. Ah, mais vous voyez, je sens que c'est le dernier essai. Du coup, j'essaie de le pimenter un petit peu. Oui. Évidemment. Bah, eh oh. Comment ça, tu me crois pas? Oui, j'aurais fait pareil, de toute façon. Bah oui. Voilà. Non mais attends, c'est normal quoi. Hop, allez, la pièce de puzzle, on essaye pas. Oui. Non. Mais... Ceci était un cri super viril. Oui. Mais... C'est pas gentil. C'est pas gentil. Il y a bientôt un cœur. Là, je peux. Voilà, c'est bon. Il y a un cœur juste après normalement. Voilà. Bien, faut juste je que j'arrive me demande à quoi servent les cubes piquants, en fait. Ceux-là, ils sont juste là pour te dire, on est là, ne nous oublie pas. Parce que c'est vrai que c'est ça qui m'embête le plus, au final. Oui. Là, genre ici, là... Enfin, encore ici, ça passe. Oui, ça y est, coucou. Ici, là, faut attendre. En fait, là, t'as qu'un seul passage où tu peux le faire, hein, parce que sinon, t'es obligé de te faire toucher par les cubes à pique. Ouais. Du coup, si j'arrive à garder Dixie, ça devrait aller, parce que limite, le parcours, je le connais par cœur, et si je me fais toucher sur le dernier... Pas trop loin, s'il vous plaît. Si je me fais toucher sur le dernier, je pourrais retourner dans l'air. Et ce serait peut-être le saut vers la fin. J'espère. J'espère. Autant, très sincèrement, je vais vous avouer, j'en ai pas spécialement marre de jouer sur ce niveau. Oh, c'est pas vrai. Enfin. Mais c'est. Après, c'est encore une fois, vu que je filme, je peux pas vraiment me permettre de. Oui. De jouer comme si je jouais en off. Voilà, c'est un peu différent. Ok, c'est bon, pas de soucis. Là, c'est deux fois bas. Oui. Et on saute. Wow. Qu'est-ce que... Oh oui, oui. Ça y est. On attend pas, on attend pas. Wouhou. J'ai une nouvelle figurine. C'est la petite figurine de consolation, tiens. Bon alors. Je suis ravi. De vous faire exploser les oreilles avec ce cri. Ça y est. Oh, ça y est. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah, j'ai la main droite qui tremble. Ah, j'ai des fourmis dans la main droite.
Vous avez débloqué le mode diff... Non, alors là tu rêves. En mode difficile, vous commencerez le niveau sans objet ni partenaire, les tonneaux seront vides et vous n'aurez qu'un seul cœur. Bonne chance. Ouais, ouais, c'est ça, je laisse ça aux japonais. Je suis désolé. Bon, écoutez les amis, on va vite fait faire un petit tour dans les extras. On va voir quelle figurine j'ai débloquée. Bah quelle figurine j'ai débloquée? Attendez, ils ont bien dit que j'avais une nouvelle figurine. Mais c'est peut-être dans le magasin. Ah bah oui, au bazar, mince. Oh, il va falloir que je tombe dessus, quoi. Eh bien, moi, je vous propose qu'on aille rapido au bazar. Comment ça, l'épisode n'est pas assez long? C'est ça, hein. Non. Shopping. Non. Voilà, shopping. Ah non, mais là, je suis content, quoi. C'est ça que j'adore dans les jeux de plateforme, et c'est pas le genre de sentiment que t'as dans des jeux comme les Zelda ou autre. C'est quand t'as le jeu de la plateforme de l'enfer de l'infini et que t'arrives enfin à le passer, quoi. Ah, j'avoue. C'est pour ça que c'est vrai que j'hésitais beaucoup à garder cette île pour l'épisode final, parce que c'est beaucoup plus dur finalement que le boss final, mais encore une fois, c'est une histoire de générique, vu qu'avec 3 niveaux, voilà. Bon, je pense pas... Ouais, écoute, j'ai l'habitude de les acheter par 5, donc on va faire ça en plusieurs fois. Oh, nouvelle figurine, bah tiens, voilà, nouvelle figurine. Celle-là, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Limite avoir le boss... Ah bah non, le boss final. Ah bah si, le boss final, je pourrais l'avoir. Quoique, ce serait une plaie. Ça vous spoilerait pour ceux qui connaissent pas. Je mettrais un petit flou si je le débloque. Non. En fait, j'aimerais juste voir la figurine de Lille. Bon bah tant pis. Eh bien écoutez, on aura débloqué une nouvelle figurine. Je vais pas vous la montrer, vous l'avez reconnue. Hein, c'est le pingouin avec la crête jaune. Oui. Quoi qu'il en soit, eh bien, on va se quitter. Lille, quand même. Déjà? Oh. Alors, il y aurait eu beaucoup d'ellipses, hein. Pour vous, j'essaierai de faire en sorte que ça dure 30 à 40 minutes. Nous, on a une heure et demie de record, si ce n'est plus. Vraiment, j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas. Bien, n'hésitez pas à aller à bombarder la barre de pouce. Considérez cet épisode comme un épisode final, car croyez-moi, le boss sera beaucoup plus simple que ça. Et là, vous me voyez comme j'étais à la fin de Mario 3D World, sauf que Mario 3D World, j'avais vraiment réservé à la fin. Donc, quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Merci à toi, Iguette, d'être venu, parce que ce fut un réel plaisir que tu sois là, comme ça on a pu rigoler ensemble. Alors que tout seul, je pense que j'aurais complètement pété un câble. Non, c'est marrant. regardez, oui. C'est marrant. Bah, merci en tout cas de m'avoir proposé. Eh bien, écoute, ce fut un plaisir, et puis de toute façon, hein, on sera sûrement amené à faire encore beaucoup de vidéos ensemble, beaucoup de... Je le pense, oui. On dit des vidéos en coop, encore une fois, on vous le répète, c'est très difficile. Ouais. Surtout que, on vous fait pas vraiment de séries sur des jeux qui se jouent en ligne, donc c'est d'autant plus difficile. Donc voilà, quoi qu'il en soit, moi j'espère que cet épisode vous aura plu, portez-vous bien, et à la prochaine pour le dernier épisode. Allez, ciao. À plus. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, je vais quand même mettre ici, voilà. Et salut tout le monde. D'accord. Et ça va bien tout le monde? Comment ça va? Bon, ça va.